Ils ont des différences, ça n'a pas d'importance. Ils sont plus forts quand ils sont ensemble. De vrais amis, Tib et Tatou. Tous les jours ils vivent des aventures. C'est la vie de Tib et Tatou. Tatoum. Oh, wow. Viens, faut qu'on aille voir ça, Tatoum. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Dépêche-toi, Tatou! Eh ben ça alors! C'est vraiment beau! J'avais jamais vu une pierre tomber du ciel! Faut que je la montre à Aaron, il saura peut-être ce que c'est! À deux, ce sera facile! Allez! Bah viens, Tatoum! On va la pousser jusqu'au village! C'est cette pierre? Hé, hein? Hey, arrête, Tatoum! C'est qu'une pierre! Oh. Tiens, tiens, regardez qui voilà! Face de tâche! Et on dirait qu'il est pressé, hé! Hey, où tu vas comme ça? Je vais voir Aaron! Tatoum et moi, on a vu une énorme pierre tomber du ciel! Des cailloux qui tombent du ciel, n'importe quoi. Et ça, c'est quoi alors, bande de Cro-Magnons? Et encore, c'est juste un petit fragment de celle qui est tombée. Tu veux dire que ce truc est vraiment tombé du ciel? Tu parles, c'est impossible. Elle est tombée où? Tu crois vraiment que je vais te le dire? Et pourquoi pas d'abord? Waouh, elle est trop, trop belle cette pierre. En collier, ce serait carrément trop tendance. Oh, tu veux bien me la donner, s'il te plaît? Ah non, désolée, je dois la montrer à Aaron. Oh. Allez, salut. Venez tous, on va le suivre. Oh, il s'agit d'une météorite, une pierre qui vient de l'espace. Où l'as-tu trouvée? Bah, je jouais avec Tatoum quand on l'a vu tomber. C'était près des montagnes carrées. C'est aux montagnes carrées. Nous avons eu beaucoup de chance. Cette météorite aurait pu faire de gros dégâts si elle était tombée sur le village. Tatoum a l'air d'avoir très très peur de cette pierre. Alors la légende devait être vraie. La légende? On dit que les dinosaures ont disparu à cause d'une immense météorite qui se serait écrasée sur la Terre. Mais maintenant qu'elle est tombée, Aaron, elle devrait plus lui faire peur, non? Son instinct doit sûrement lui dicter de s'en méfier. Et l'instinct chez un animal, c'est plus fort que tout. Alors en fait, ça veut dire que tant que la pierre sera là, Tatoum aura peur. Je sens que je vais beaucoup l'aimer, cette météorite. Tara! Tara! Hein? Quoi? Il y a un problème? Il faut qu'on se débarrasse d'une météorite. Tu viens? Une météorite, c'est quoi? Je t'expliquerai en chemin. Dépêche-toi, c'est urgent. Et à moi, tu me demandes même pas. Je compte pour du beurre. On y va. Allez, faut la faire tomber dans le trou. On peut y arriver. Allez. C'est trop dur. Elle a bougé? Non? Allez! Allez! Mais allez!
jamais y arriver. Faut aller chercher Tatum. Y a que lui qui pourra la déplacer. Il a trop peur. Il voudra jamais. Mais on n'a pas le choix. Il faut essayer. Tatum! Avec mon collier, je serai la plus belle de tout le village. Dépêchez-vous, c'est par là. Oh, c'est super. On va pouvoir se faire plein de colliers. Je vous l'avais dit. Magnifique. Mais Lude, depuis quand tu t'intéresses à la mode, toi? Mais je m'en fiche de la mode. Excuse-moi. Si on est là, c'est uniquement pour se débarrasser du gros lézard une bonne fois pour toutes. Et j'ai un super plan. Tout va bien, Tatum. Je sais pourquoi t'as peur maintenant. Regarde. Bon, écoute-moi, Tatum. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on sait comment se débarrasser de la météorite. Et la mauvaise, c'est que c'est toi qui dois le faire. Tiens, regarde, Tatum. T'auras juste à donner un coup de patte, comme ça. On ferait mieux de lui montrer. Ce sera plus simple, non? T'as raison. Allons-y. T'inquiète pas, ça va aller. Tib! Quoi? Il y a un petit problème. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, bah rien. On est seulement venu admirer la météorite et se débarrasser de ton sale dino. Prêt, les gars? Non! Arrêtez! Mais arrêtez! Laissez-le! Quoi? Mais j'ai rien à voir là-dedans. Je voulais juste me faire un beau collier. Bah si tu veux savoir, il est trop moche ton collier. Et il va pas du tout avec ton pagne. Ah, quoi? Mais tu dis n'importe quoi. Et puis de toute façon, t'y connais rien toi à la mode. On se sépare. Absolument qu'on le retrouve. Il va avoir tellement peur qu'il remettra plus jamais les pieds dans la vallée. Tatum! Tatum! Ça va aller, Tatum. Ces idiots veulent te faire quitter la vallée. Mais c'est chez toi, ici, d'accord? C'est vrai, t'inquiète, on va pas les laisser faire. On va te trouver, Tatum! Par là! Tib, ça va? Oui, on les a semés. On a un peu de temps avant qu'ils reviennent. Il faut faire vite. Allez, viens, Tatum, tu te rappelles? T'as juste à donner un petit coup de patte. Et paf! Hé, hey, les gars, il est là! T'es coincé maintenant, gros lézard. Calme-toi, Tatum. Tu ne crains rien, je te le promets. Ouais! Bien joué, Tatum! Oh non! L'ours a
Détends-toi, gros lézard. Faut pas le prendre mal, c'était qu'une petite blague. Là, les gars, je crois qu'il faudrait que... qu'on décampe d'ici. Vite. Hein? Oh non, pas encore. Tu veux jouer, Tatou? Ok, mais t'aurais pas quelque chose d'un peu moins lourd?